Bonjour Eric. Bonjour Antoine. Alors aujourd'hui nous parlons monitoring connecté. Pourquoi monitoring connecté et est-ce qu'il y a un monitoring déconnecté ? Eh bien tout à fait, il y a un monitoring déconnecté. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la plupart des solutions sont isolées, ne sont pas connectées. D'accord, et connecté du coup à quoi ? Le principe du monitoring connecté, c'est d'être connecté à tout, partout et pour tous. D'accord, on commence par quoi concrètement ? Quelle couche d'un système d'information on connecte au monitoring ? La première couche que l'on va connecter, ce sont les assets informatiques. C'est-à-dire qu'il faut avoir un système qui se connecte à tout, quels que soient les systèmes, les réseaux, les applications, les serveurs, les applications dans le cloud, donc, et les objets connectés. D'accord. Et au-delà des équipements, des assets, quelle est la deuxième étape ? La deuxième étape, c'est de ne pas être isolé et donc de s'intégrer au grand système de gestion de type ITSM qui permet donc une connectivité vers le haut après avoir couvert la connectivité vers le bas avec les connecteurs, donc vers les types d'équipements. Ok, donc les équipements, les systèmes, quel est le troisième personnage, si j'ose dire, du monitoring connecté ? Maintenant, le troisième point, c'est la connexion des hommes, c'est-à-dire le monitoring connecté permet un meilleur alignement des équipes IT et des équipes business notamment. Alors business, ça signifie que le monitoring connecté il est au service du business, comment ça se passe ça ? Alors il y a deux bénéfices au niveau business. Le premier c'est une meilleure gestion des coûts, un meilleur TCO, notamment en réduisant le nombre d'outils de monitoring nécessaires. Et le deuxième, c'est justement ce meilleur alignement entre les équipes IT et les équipes business, notamment au travers de meilleurs SLA entre donc, les deux équipes. Super, c'était le monitoring connecté avec Eric Parkiewicz. Merci Eric. Merci Antoine, au revoir.